RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet avec Anis Morey, exactement 8h sur les ondes de la chaîne Inter tous les lundis et mercredis. Rebonjour Anis. Rebonjour Afef, rebonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Alors on a annoncé le sujet il y a quelques minutes et on a le plaisir de recevoir ce matin monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, monsieur Slim Khalbous. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ne chante pas, Afef, et c'est le moins que l'on puisse dire. Après avoir procédé à un changement au niveau des directeurs généraux dans ce département, le ministre, de concert avec le secrétaire d'État, vient de prendre le taureau par les cornes. D'abord en annonçant un plan d'action en matière de recherche scientifique et d'innovation dans le cadre des 3e journées nationales de la recherche scientifique et de l'innovation tenues pendant les journées du 16 et 17 décembre dernier sous le thème « Recherche et innovation, vision, priorité nationale ». Et gouvernance. Ensuite, en annonçant hier, le mardi 3 janvier, l'application effective de la très attendue réforme de l'université tunisienne. En exclusivité RTCI, nous avons le plaisir de recevoir donc M. Slim Khalbous, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonjour Monsieur le ministre et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Anis, merci de m'avoir invité et de me permettre de parler de cette grande réforme. Alors je salue en vous le fait que vous sortiez dans votre première apparition médiatique pour parler de cette réforme dans le service public. On voudrait tellement que vos pairs vous suivent. Certains le font, certains autres ne le font pas. Avec grand plaisir. Alors, d'abord, avant de commencer par parler de cette réforme-là, quelle évaluation faites-vous de votre passage depuis septembre dernier à ce département, plus que 100 jours, on va dire? Oui, un peu plus. Oui. Exactement. Peu plus. Quelle évaluation faites-vous du travail effectué jusque-là? Écoutez, pour faire une évaluation rapide, bon d'abord c'est aux autres de faire l'évaluation, mais moi ce que je voudrais dire c'est Nous avons notre propre idée. D'accord. Mais peut-être ce qui serait intéressant c'est de rappeler très très brièvement la situation qu'on avait trouvée fin août, début septembre. On est arrivé début septembre, en pleine rentrée universitaire, c'était pas évident, il y avait une pression énorme. Il y avait aussi une inaction incroyable parce que beaucoup de dossiers ont pris du retard pour X raisons politiques ou organisationnelles ou gouvernementales. Enfin bref, vous connaissez la situation de l'époque. Il y avait aussi un dialogue social qui était arrêté entre les partenaires sociaux, avec certains dirigeants des universités, et il y avait évidemment des grèves, des manifestations. Et toute cette situation, il fallait l'affronter tout en ayant un nouveau ministère à mettre en place, et tout en ayant l'objectif en tête de remettre la réforme au centre du débat. D'accord. Donc c'était tout ça, ce défi-là. Alors, je peux dire qu'au bout de 3 mois, 4 mois, les choses prennent le bon chemin, dans le sens où aujourd'hui, le dialogue social est revenu. Tous les acteurs sont autour de la table, tous sans exception, les syndicats, les présidents d'université, les doyens, les directeurs, les enseignants, les étudiants. On a remis tout le monde autour de la même table, autour d'un objectif commun, suprême, qui est de réformer cette université tunisienne. Ouais. Il est vraiment temps de le faire. Voilà. Alors, cette réforme de l'université, elle n'est pas nouvelle. Le diagnostic a été élaboré par une commission nationale de la réforme universitaire qui a commencé son travail en 2012. Ce travail a continué jusqu'à 2015. Et depuis, donc, cette réforme-là est dans les tiroirs. Donc, elle n'a pas été exécutée. Vous avez procédé à une réunion donc, du Conseil des universités le 28 décembre dernier. Et vous avez donc décidé de mettre en application cette réforme-là. Vous avez annoncé ça dans une conférence de presse hier, donc matin, et nous voulons savoir la feuille de route que vous avez mis en place pour exécuter cette réforme de l'université. Après, on parlera donc réellement de cette réforme, des axes du contenu. D'accord, d'accord. Ben, oui. En fait, la réunion du conseil de l'université du 28 décembre auquel vous faites référence, c'est le point d'orgue. En fait, c'est là où on a décidé réellement de l'annoncer et puis des dernières retouches. Mais depuis pratiquement le premier jour où la nouvelle équipe est rentrée dans le ministère, on a œuvré pour ça. Il fallait vraiment remettre la réforme comme pivot en fait de notre action. Et donc le travail a été fait dans quel sens? Dans le sens où il fallait une nouvelle méthode de travail. Depuis
début 2015, le diagnostic était fini. Et les choses se sont arrêtées. Se sont arrêtées pour des raisons, peut-être un manque de volonté politique, peut-être un manque de méthode aussi. Et là, c'est là sur ça qu'on a travaillé, sur la méthode. Comment travailler ensemble? Parce que tout le monde est conscient de l'importance, de la nécessité de la réforme. Maintenant, c'est comment faire pour réussir à passer à l'action et de la réflexion à l'action. Bien. Donc, c'était une question de méthode. Et la méthode, la première, c'était de dire, voilà, on va faire une feuille de route particulière. On veut avoir un point final. Et j'espère que l'annonce officielle qui a été faite hier, des assises nationales de mise en œuvre de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et j'insiste sur le mot mise en œuvre, les assises de la mise en œuvre, et non pas les assises de la, encore une réflexion De... et l'exécution, quoi. Absolument, absolument. Ça sera donc le 30 juin et le 1er juillet 2017. D'accord. Et ça, c'est l'annonce la plus importante. C'est un congrès national, donc. C'est un congrès national. Il sera présidé par le chef du gouvernement. Il y aura plus de 1000 participants. Donc, c'est quelque chose de grandiose, hein, qui va marquer les esprits, qui va être, je l'espère, un tournant pour l'université tunisienne. Il aura comme objectif principal de définir la vision de l'université 2030, où on veut aller, dans quelle université nous voulons que nos enfants étudient dans quelques années, et puis en même temps éditer le nouveau cadre de loi, et parce que nous pensons que le cadre de loi de 2008 est vraiment obsolète sur plusieurs plans, mais en même temps nous ne voulions pas faire de la précipitation et de d'être à côté de la plaque ou d'oublier de refaire d'autres erreurs. L'idée, c'est de prendre son temps, donc d'avoir une vraie méthodologie de travail. Nous sommes des scientifiques après tout, et nous devons appliquer ce que nous enseignons à nos étudiants, à nous-mêmes. Et donc, on a mis en toute une démarche que je pourrais vous expliquer ce matin, toute une démarche d'ici juin et de juin et après. Alors, ce sont 10 commissions techniques spécialisées qui verront à l'étude et à l'analyse de 5 thèmes prédéfinis. Alors, ces 10 commissions-là seront composées de qui ? Alors, je vous explique d'abord comment viennent ces 10 commissions. Oui. D'accord. Parce qu'il y a le diagnostic de la commission nationale de la réforme, que je remercie d'ailleurs, parce qu'on a le point de départ, c'était l'output de cette commission. Tout à fait. Hein. Donc il y a une continuité, on n'a pas arrêté. Cette commission, le plan qui a été édité par cette commission, comporte 5 axes. Nous sommes partis des 5 axes. On va les rappeler, la qualité de la formation, l'employabilité des diplômés, la recherche et l'innovation, la gouvernance et la gestion des ressources, le cadre universitaire, les enseignants et la pédagogie. Tout à fait, ce sont les 5 axes. Oui. Nous sommes partis des 5 axes et on a dit comment on peut décliner ces 5 axes en un certain nombre de commissions, mais là des commissions thématiques qui vont être concentrées sur un thème précis de la réforme. Bon, alors, première chose, la structure d'abord du plan de la réforme. Il y a 3 niveaux de commissions. Il y a d'abord la commission nationale qui est présidée par le ministre, avec le secrétaire d'État, avec tous les présidents d'université, avec tous les représentants des syndicaux, avec le monde économique, avec les partenaires professionnels, les étudiants, tous les parties prenantes, donc tous les représentants des parties prenantes. Il y aura quand même la commission nationale qui va arbitrer, chapeauter et faire les derniers choix. Oui. Bien. Ensuite, le deuxième niveau, il va y avoir ces fameux que vous venez de citer, les 10 commissions national, thématique, je dis bien national, c'est transversal, et thématique. Chaque commission sera présidée par un président d'université, le rapporteur sera un directeur général du ministère, il y aura un membre permanent du syndicat enseignant et un conseiller juridique systématiquement, je reviendrai à ce point, il est très important, fait partie des nouveautés méthodologiques. Donc il y a 4 membres permanents dans les 10 commissions. D'accord. Puis, pour chaque commission, il y aura d'autres participants en fonction du thème. On fera participer les députés de l'ARP qui participent à la commission d'éducation et enseignement supérieur, en particulier par exemple pour la carte universitaire, parce qu'il s'agit d'un arbitrage entre les régions, et donc les députés doivent avoir leur nom. Hein. La carte géographique, le choix de la création d'institutions, de fusion entre institutions, donc il y a des arbitrages à faire. Donc là, ils devront être là. Lorsqu'on va parler de l'employabilité, évidemment, les employeurs doivent être là. Lorsqu'on va parler de la vie universitaire, les étudiants doivent être là. Lorsqu'on va parler des métiers, alors les avocats doivent être là, les médecins doivent être là, les experts comptables doivent être là, j'en oublie certainement, mais toutes les corporations professionnelles doivent être là. L'UTUCA sera un partenaire principal, le Connect aussi. Nous n'allons pas oublier, c'est-à-dire que toutes les professions qui sont organisées et qui ont un lien direct ou indirect avec la formation des ressources humaines ou avec la recherche scientifique seront membres d'une ou plusieurs commissions. Et nous avons fait donc une structuration précise
par titre des gens qui vont participer aux commissions. Sachant que la décision a été de donner aussi la main au président d'université, qui est président d'une commission, s'il voit qu'il y a la nécessité de rajouter un membre au besoin, parce que la question s'est posée, il a tout à fait cette latitude. Je termine, oui, Alice. Donc il y a la commission nationale, les 10 commissions nationales thématiques, et puis chaque commission nationale thématique aura le choix de créer des sous-commissions techniques. D'accord. Pourquoi une sous-commission technique ? Parce qu'il y a certains sujets qui sont très pointus, où on a besoin d'experts. Pas les membres permanents habituels, mais vraiment l'avis d'experts. Je donne un exemple, l'accréditation internationale des universités. C'est un domaine très spécifique, très technique, où il faut certainement inviter des experts internationaux, où il y a quelques rares personnes qui sont experts du domaine en Tunisie. Et à ce moment-là, il faut une commission spécifique, technique, qui va donner son rapport d'abord technique de la faisabilité, des besoins, etc. Puis il sera transmis à la commission nationale qui elle-même le validera dans sa globalité. Ou alors par exemple la question des classements des universités. Le classement des universités, vous savez, c'est une question de critères, c'est une question de choix, de quel est le classement qui correspond le plus à la spécificité tunisienne, etc. Donc là c'est encore une fois un avis d'expert. Donc les sous-commissions, nous n'avons pas décidé d'une liste de sous-commissions, mais on a demandé au fur et à mesure aux commissions, lorsqu'ils ont un sujet très technique, très spécifique, ils peuvent créer une sous-commission pour une semaine, 10 jours, c'est pas la peine que ça soit une éternité. L'essentiel, c'est que des experts se réunissent autour d'un thème très précis et qu'ils remettent un rapport technique. Monsieur le ministre, ce que vous dites est très beau. Hein néanmoins, j'ai deux remarques, donc, si vous permettez. D'abord, le timing. Est-ce que 7 mois seront suffisants pour mettre en œuvre ce travail colossal, titanesque ? Un. Deux, vous avez dit que vous allez donc solliciter tout le monde. Oui. Et nous savons qu'à l'heure actuelle, tout sera politisé, tout est politisé. Et donc, en matière d'arbitrage, parce que vous avez dit quelque chose de très important aussi, c'est que le ministère, donc et la commission nationale, va faire l'arbitrage pour choisir donc entre deux ou plusieurs éventualités donc alternatives qui se présentent. N'avez-vous pas peur qu'en invitant tout le monde, les choses peuvent donc se corser dans un mauvais sens? Alors, justement, je pense que la réussite de ce process dépend de la méthodologie et de la volonté politique. La volonté politique y est. La politisation, par contre, n'y est pas. Je ne suis pas politique, vous le savez. Je ne parle pas de vous. Je sais. Mais c'est ce qui me permet d'avoir peut-être une marge de manœuvre plutôt libre et indépendante, ce qui est peut-être un des garants de la réussite de cette réforme. La vraie nouveauté, c'est la méthode de travail. Et c'est ce qui peut-être a manqué. Comment avant. Allez-vous convaincre donc aujourd'hui des partenaires qui verront dans ce que vous ne prenez pas, ce qu'ils proposent, un affront? C'est ce qui arrive aujourd'hui dans ce genre de... Je pense que nous sommes aujourd'hui dans une république démocratique, et la démocratie, c'est la discussion, le compromis, puis la loi de la majorité, et nous allons appliquer cette démarche. Hier même, dans une réunion de préparation après la conférence de presse avec les présidents et les rapporteurs des commissions, on a fait une première réunion déjà pour lancer, parce qu'on va lancer tout ça cette semaine même. Nous avons justement décidé de passer à la majorité. S'il y a un compromis, la question ne se pose pas. En cas de désaccord, on passe au vote et puis on passe à la majorité. Il faut bien une méthode pour trancher. Oui, tout à fait. Parce que pour réussir justement à faire un aussi grand travail en 6 mois, il faut avoir une méthodologie claire et que tout le monde joue le jeu. Donc on va vraiment avancer à un rythme assez soutenu, et je pense que c'est une chance historique. 2017 est une chance historique politiquement. La situation de notre pays, vraiment, j'ai un sentiment que si on ne réussit pas cette fois-ci, ça sera plus compliqué plus tard. Et donc, j'ai une très grande volonté, et toute l'équipe autour de moi, vraiment, le secrétaire d'État, les présidents d'université, je les ai rarement vus unis autour d'un même sujet de cette manière-là. Honnêtement, pour ne pas dire les choses comme elles sont. Et donc, il y a une vraie adhésion, et ça, c'est déjà un garant de la réussite. Tout le monde veut faire aboutir ce process. Vous avez discuté avec les syndicats ? Oui, alors les syndicats, on a discuté avec eux à plusieurs reprises, et encore, on va en discuter, parce que vous savez, avec les syndicats, ça ne s'arrête pas. La discussion est permanente. Les syndicats, d'ailleurs, nous, on a choisi de proposer au syndicat des enseignants une place permanente, parce que c'est quand même un partenaire important et privilégié avec nous, donc ils seront présents dans les 10 commissions. Les autres syndicats seront présents aussi, mais pas dans toutes les commissions, parce que c'est selon les thématiques, les syndicats des administrations.
administrative, les syndicats des ouvriers, les syndicats des étudiants, bien entendu, sont tous représentés sans aucune exception. Les syndicats qui ne relèvent pas de l'UGTT seront représentés aussi. Je parle de IGEB, par exemple. Oui. Dans toutes les commissions, oui. Nous, on va faire participer la société civile, donc encore évidemment aussi, parce que vous savez, il y a une question juridique et puis il y a une question de société civile. Oui. Juridiquement, on doit négocier avec le syndicat, voilà, le plus représentatif. Mais là, il s'agit de quelque chose de plus large que ça, vraiment de fédérer un maximum d'avis et de participants. Et donc oui, on en a discuté d'ailleurs et on s'est dit, indépendamment de ce que dit la loi, c'est après tout des partenaires de la société civile, ils seront là. Même les associations non syndicales mais très représentatives, type Junior Entreprise, type ASEC, ils seront aussi invités dans certaines commissions parce qu'on veut aussi le retour des avis des étudiants qui sont sur le terrain, qui sont très demandeurs de cette réforme, il faut le savoir cela. Et comme on en dit, on veut que l'étudiant revienne au centre du système, et ben il faut que l'étudiant soit présent dans ces commissions et qu'on l'entende en ne comprenant pas tout savoir à sa place et lui imposer des choses. Alors, donc il sera là. Le système LMD, l'un des systèmes qui fait couler beaucoup d'encre depuis son adoption en 2008, la qualité des étudiants, nous la connaissons, malheureusement, elle ne cesse donc de dégringoler et beaucoup estiment que le système LMD est pour quelque chose. Alors, j'ai reçu plusieurs ministres de l'enseignement supérieur s'agissant et en parlant de cette question-là. Il y a quand même une gêne à répondre à cette question. Comment allez-vous faire avec le système LMD? Est-ce que vous allez continuer à l'adopter? Est-ce que vous allez un peu donc le modifier? Quelle sera votre politique par rapport à ce système? Non, comme vous savez, Anis, moi je suis très pragmatique. Il n'y a aucune gêne à vous répondre à cette question. Je suis enseignant depuis un bon bout de temps. J'étais dirigeant au moment où l'LMD a été imposé, vous le savez. J'ai subi les gros problèmes de ce système, mais je sais aussi qu'il a aussi des avantages. Donc l'idée, j'étais aux commandes il y a quelques années, peut-être qu'effectivement j'aurais pas adopté ce système ou je l'aurais annulé tout de suite après à avoir vu que ça ne marchait pas aussi bien. Mais entre-temps, depuis 7 ans, il y a eu des petite touche d'amélioration. Certes, certains étudiants ont payé le prix parce que on a réformé au fur et à mesure, ce qui n'était pas la bonne méthode. Mais aujourd'hui, on a atteint un système qui est relativement acceptable par rapport à la version de départ, mais qui reste avec beaucoup de problèmes. Et nous, ce qu'on va faire, parce que je pense que remettre à zéro le système, encore une fois aujourd'hui, ce n'est pas dans l'intérêt des étudiants ni dans l'université. Le mettre au centre de la réforme, ça c'est oui, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il y a des décisions très urgentes qui vont être prises sans attendre les assises. Comme deux décisions, je vous donne deux exemples qui sont très significatifs et qui sont parlants à nos auditeurs probablement. La première, ça c'est une bonne nouvelle pour nos étudiants, c'est le système d'examen. Aujourd'hui, l'une des grandes critiques du système LMD, c'est qu'on passe plus de temps à passer des examens qu'à avoir des cours. Oui. C'est inadmissible. Et donc devoir aujourd'hui, bien sûr, les devoirs surveiller les examens à répétition, on a 7 ou 8 examens sur l'année, avec 14 semaines, c'est intenable. 14 semaines si nous arrivons à les faire. En plus, dans la pratique, ne sont pas toujours réalisés. Ce qui fait dire à certains enseignants qu'on passe plus de temps à passer des examens qu'à faire des cours. Certains enseignants parfois me disent je ne sais même pas ce que je vais mettre dans l'examen parce qu'on n'a pas eu le temps d'avancer, ce qui n'est pas acceptable. Donc nous avons un projet de décret qui va sortir incessamment et qui allégé propose donc cette charge d'examen. Il y a deux choses, il y a du quali et du quanti. Il y a le quanti, c'est-à-dire l'allègement du nombre et ne plus obliger les gens à faire autant de DS et autant d'examens. Et puis surtout la technique aussi. Aujourd'hui on a par exemple l'enseignement de l'entrepreneuriat, la gestion de projet, la création d'entreprise, ça n'a pas de sens de passer ce genre d'examen écrit avec de manière classique comme avant. Il faut que ça soit, il y ait des projets, il faut qu'il y ait de manière originale, nouvelle, qui est au goût du jour pour l'évaluation des travaux et des enseignants. Donc ça c'est une première réforme qui touche directement les étudiants et je pense que ça va améliorer pas mal de choses. Deuxième réforme, et cette fois-ci je vous donne un exemple du côté enseignant, c'est que l'une des aberrations de l'LMD, c'est qu'on a prévu le paiement et l'organisation des masters recherche, mais pas du tout des masters pro, ni des licences appliquées, ni même des écoles d'ingénieurs. Parce que les écoles d'ingénieurs, figurez-vous, c'est qu'on est pratiquement dans l'illégalité aujourd'hui. Ils font passer l'encadrement sur des heures sup, ce qui ne passe souvent pas, et avec des problèmes juridiques. Absolument. Donc, cette situation aberrante qui dure depuis 6 ou 7 ans, c'est une demande très forte et très pressante des enseignants. Les enseignants vous font ça gratuitement une fois, deux fois, trois fois, puis vous dites, bon, ça suffit, il faut qu'on passe à... c'est bien la gratuité à un moment, mais après, il faut qu'on soit payé pour des efforts, surtout que les efforts sont de plus en plus importants.
le nombre d'étudiants, ce demandeur sont importants. Aujourd'hui, on demande, nous, de la qualité, de l'excellence dans l'encadrement. On voudrait que ce soit des PFE industrialisables. C'est ce qu'on demande. Aujourd'hui, on veut que l'université se rapproche. Donc, si on va faire des vrais PFE et pas des PFE où c'est des faux stages, alors à ce moment-là, il faut qu'un investissement plus important. Et pour tout investissement, il faut un pays. Des moyens. Donc, nous sommes aussi en train, et on va le... Nous sommes arrivés à un accord avec les syndicats. Nous avons eu plusieurs réunions de plusieurs heures pour discuter sur les tarifs. Et nous allons sortir très prochainement, donc premier trimestre 2017, un décret qui va permettre le paiement des PFE ingénieurs, des PFE Bac plus 5 master, des PFE Bac plus 3 licences. Et ça, c'est encore une bonne nouvelle pour les enseignants. Alors, je voudrais évoquer avec vous l'avenir de l'université tunisienne. Vous avez été un panéliste très écouté lors de la conférence internationale. National 2020. Vous allez me demander pourquoi vous me parlez de la conférence donc Tunisia 2020. Ben juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a des universités internationales qui souhaitent investir en Tunisie. J'ai rencontré moi-même donc le représentant de Columbia. Il y a des échos sur l'avenue d'un bureau de Harvard. Il y a une université française très renommée qui est déjà donc sur place à Tunis. Et la question qui se pose aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il adviendra de l'université tunisienne, que vous connaissez mieux que moi, en acceptant qu'un investissement privé dans ce sens se fera dans ce pays-là. Nous n'allons pas, comme c'est le cas aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, avec deux vitesses, l'université publique qui boite et l'université privée qui, elle, pompe la matière grise. Et nous avons déjà en Tunisie un exemple donc avec donc une école, une université d'ingénieurs en informatique. Oui. Écoutez, ce débat public-privé, je pense qu'il faut savoir comment le poser. Il y a un certain nombre de bases. D'abord, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Parce que si on veut l'excellence, le protectionnisme ne mène jamais à l'excellence. Donc, osons la compétition. Par contre, une compétition, ça a des règles. Hein, ça a des règles claires pour qu'elle soit honnête. L'enseignement privé aujourd'hui en Tunisie s'est développé pas seulement sur ses qualités, hélas, mais sur les faiblesses de l'enseignement public. Bon. Donc, lorsque nous mettons au cœur de la réforme la mise en valeur et le retour à l'excellence de l'enseignement public, sachant que l'enseignement public a une histoire extraordinaire, sachant que l'enseignement public est gratuit, il n'y a quasiment, je dirais, aucune chance au privé de continuer dans les conditions actuelles. C'est-à-dire que si le privé joue seulement sur la faiblesse du public, avec la réforme que nous allons mener et la gratuité que nous maintenons, la compétition va devenir difficile pour le privé, pas pour le public. Donc, moi, ce que je propose, c'est une complémentarité, une vraie stratégie nationale. Parce que c'est pour ça que, d'ailleurs, les universités privées seront invitées dans les commissions de la réforme. Ils seront là. La réforme, c'est pour vraiment la Tunisie, pas pour une université particulière ou une école particulière, ou privée ou publique. C'est vraiment la vision de l'université dans son ensemble, l'université tunisienne, à l'horizon 2030. Ça, c'est l'objectif. Bien. Donc, il y aura, moi, je pense, de la place pour le privé, pour le public, mais chacun doit jouer son rôle. On doit travailler sur la complémentarité. Le privé doit se concentrer sur des choses que le public ne peut pas apporter. L'international, oui. Alors, des études techniques. Tout à l'heure, on parlait hors antenne sur l'astrologie qu'on n'a pas, ou l'astronomie qu'on n'a pas, par exemple, ou le nucléaire qu'on a, mais qui est très faible. Ça peut être aussi des axes nouveaux où le privé peut apporter quelque chose que peut-être le public ne peut pas apporter. C'est ça, la complémentarité. Travailler sur les mêmes créneaux de la même manière avec quelqu'un qui est extrêmement cher et l'autre qui est quasiment gratuit, ça ne marche pas. C'est une compétition déséquilibrée. Donc, si le public revient à l'excellence, c'est une fausse compétition. Il n'y aura plus de privé dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre autour d'une table, réfléchir ensemble. Le développement du privé est nécessaire, c'est une tendance mondiale, on ne peut pas aller contre ça. Et ça fait partie aussi de la liberté, nous sommes dans un pays de liberté aujourd'hui, donc la liberté d'entreprendre est aussi très importante. Le commerce, oui. Voilà. Mais le commerce justement dans l'éducation n'est pas un commerce anodin, ce n'est pas n'importe quelle marchandise. Et donc il y a des règles, il y a les normes internationales de qualité qu'il faut absolument respecter. Non mais je parle de l'incidence, monsieur le ministre, excusez-moi de vous interrompre, je parle de l'incidence sur le marché de travail. Là on peut se retrouver dans une situation où celui qui a l'argent qui pourra payer des frais de scolarité pour son enfant dans une université privée, renommée, sera automatiquement logé donc dans un job très bien rémunéré, hein. Et l'université
santé publique, eh ben, ça, c'est une décantation. Il n'y aura que ceux qui ne pourront pas, justement, à cause de la gratuité ou grâce à la gratuité. Donc, ils n'iront que dans l'université publique. Public ? Public. Voilà, mais je vous ai dit, le positionnement du privé, s'il est intelligent, s'il est décalé par rapport à ce qu'offre le public, peut être très intéressant. J'ai eu une discussion dans le cadre justement de Tunisie 2020 avec les dirigeants de Columbia University et au contraire, j'aurais dit, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Au contraire, parce que aussi, moi je préfère à la limite que nos étudiants, au lieu qu'ils partent à l'étranger et que leurs parents s'endettent pour payer des cours en devise, qu'ils puissent le faire en Tunisie. Payer pour payer, autant payer à faire des investissements chez nous plutôt que de payer à l'étranger, à la limite. Donc même pour ça, il y a des solutions. Mais moi, je pense que si on est autour d'une table, qu'il y a une vraie stratégie, une vraie vision de ce qu'on veut faire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place donc pour tout le monde. Je dirais, voilà, je ne sais pas si c'est convaincant d'écouter M. le ministre parler sur cette dichotomie entre le public et le privé. Alors, une autre question, ça sera la dernière, monsieur le ministre, mais elle est très importante aussi, j'estime. Qu'en est-il aujourd'hui? On parle de la digitalisation de la vie. 2030, il va y avoir donc peut-être des métiers qui vont disparaître, d'autres métiers qui verront le jour avec cette digitalisation galopante. Vous-même, vous avez été donc un invité, je pense, de l'IACE, donc les journées de l'entreprise, sous le thème de la digitalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient qu'il y a donc des filières qui n'auront plus la possibilité d'accéder donc au marché de travail? Est-ce que vous allez essayer de changer avec cette réforme de l'université certaines de ces filières qui ne sont plus porteuses donc en matière d'embauche. La digitalisation ou l'introduction... J'ai pris un exemple comme la digitalisation. Oui, mais plus globalement, l'introduction des technologies dans l'université est l'un des plus grands défis de cette réforme. Parce que il y a deux niveaux. Il y a le niveau pédagogique et le niveau technique. Il y a le niveau technique dans le sens où quelle technique utiliser, comment l'introduire, les filières spécialisées comme les ingénieurs, etc., qui aujourd'hui ont un problème d'employabilité et donc de type de formation, mais aussi l'introduction de nouvelles technologies pour toutes les filières, pas forcément que techniques. Aujourd'hui, les sciences humaines et sociales ont aussi besoin des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est vraiment transversal. Et donc, l'approche est vraiment différente. Il faut prendre le problème par l'autre bout. L'idée, c'est comment rendre naturelle l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement. Aujourd'hui, parmi l'évolution des types d'enseignement, aujourd'hui, l'enseignement virtuel n'est plus une exception. Le e-learning n'est plus quelque chose de je ne parle de présenté pas de comme ça, quelque chose d'exceptionnel. Je ne me suis pas fait exprimé, monsieur le ministre, mais je parle essentiellement de filières qui sont en train de donner des débouchés donc, sur le marché du travail, mais dont on n'aura plus besoin. Je parle, par exemple, de philosophie. Alors, donc, des filières de philosophie aujourd'hui qui ne restent uniquement que pour l'enseignement. C'est autre chose, ça. C'est autre chose. Vous avez donné l'exemple de la digitalisation. J'étais parti sur la partie technologique. Je ne parle pas de l'IT. Je parle donc de la digitalisation comme donc, ça, un modèle de société. Ce que vous voulez dire, c'est la correspondance entre la formation et le besoin de la société d'une manière générale. Tout à fait. Mais ça, alors ça, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on mette en place des observateurs. Nous avons des observateurs aujourd'hui qui sont inefficaces et inefficients. Il faut le dire, c'est la réalité. Alors, ces observateurs doivent être orienté sur une démarche prospective. Pourquoi une démarche prospective? Parce que quand aujourd'hui un ingénieur ou un étudiant commence à travailler, à commencer cours, je veux dire, il va sortir dans 5 ans. En 5 ans, les choses évoluent énormément. C'est clair. Et donc, nous, la stratégie ne peut pas être au jour le jour. On ne va pas se concentrer sur le besoin des entreprises aujourd'hui. C'est déjà obsolète aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut faire des actions de reformation, de stage, etc. Mais ce n'est pas de la stratégie. La stratégie, c'est de dire dans 5 ans, dans 10 ans, quels sont les métiers d'avenir. Parce que nos étudiants qui ont le bac aujourd'hui, ils seront sur le marché d'emploi dans plus de 5 ans. Et donc, c'est cette approche prospective que nous devons mettre en place. Nous avons déjà commencé cela. Et j'espère que la réforme prendra en considération cet aspect très important. Voilà. Donc, dernier mot. Un dernier mot. Oui. L'un des événements qui vont venir cette année en 2017, très important, les élections. Les élections dans les universités et dans toutes les institutions universitaires. Nous préparons là aussi une réforme parce que nous voulons que les élections ne se passent pas autour des hommes, mais autour des programmes. Et jusque-là, nous avons eu un très gros acquis depuis 2011, c'est-à-dire l'élection des chefs d'établissement. Mais nous voulons passer à une
démocratisation encore plus importante en ayant des programmes. Les grandes lignes. Des grandes lignes. Alors, nous sommes en train de encore, on est en train de négociation, on ne l'a pas sorti, mais nous allons accélérer parce que nous voudrions le sortir d'ici la fin du mois, parce que c'est, les élections commencent mai-juin, donc c'est demain, hein, les élections. Donc, c'est, les grandes lignes de ce programme, c'est justement se concentrer sur les programmes et non pas sur les personnes. Nous allons élargir la base électorale, nous allons prendre des dispositions claires. C'est-à-dire la base électorale, collège A, collège B. Collège A, collège B. Les administratifs. Les administratifs, pas dans les élections de... Parce que nous n'avons pas encore les assemblées. C'est l'une de leurs Mais le jour où on aura des assemblées générales, mais pas pour les conseils scientifiques. Il y a aussi tous les problèmes qu'il y a eu dans les élections 2014, lorsqu'il n'y a pas assez de corps A. Donc nous allons mettre tout ça dans le texte de loi pour qu'il n'y ait pas justement des fausses interprétations ou des réclamations. Un texte de loi qui passera quand d'ici la fin du mois. D'ici la fin du mois. Et puis aussi la possibilité de révoquer un élu s'il n'est pas, avec des conditions très compliquées, bien entendu, très difficiles. Oui. Mais quand vraiment les choses vont mal et qu'il y a des abus, nous avons vécu, hélas, ces 6 dernières années des situations où il était très, très difficile d'agir aussi bien pour la tutelle que pour les collègues. Et là, c'est intolérable et donc il faut que le texte de loi le prévoie aussi. On y reviendra sur cette question avec certainement, vous. Certainement, c'est important. Voilà, donc lorsque vous allez annoncer cette réforme-là, vous reviendrez Pour faire le lien entre cette réforme-là et les assises nationales de mise en œuvre de la le congrès, c'est très important. Pourquoi ? Parce que le choix de la date du congrès n'a pas été au hasard. Le 30 juin, c'est après les élections, mais avant que les nouveaux élus prennent leur poste. D'accord. Donc dans le congrès, il y aura à la fois les sortants qui ont mené la réforme et la partie diagnostique et tout le travail que je viens de décrire jusqu'au jour J. Et puis il y aura les nouveaux élus qui, eux, vont mettre en forme la nouvelle. Et c'est ça le choix de la date. Ce n'est pas par hasard qu'on a décidé que c'était le 30 juin et le 1er juillet. Voilà, vous venez de découvrir M. Slim Khalbous, qui est fin communicateur, mais également stratège. Hein, voilà, donc avec des détails très, très pointus. Pointeux. Quand même, merci beaucoup, merci Monsieur le Ministre. Merci Yanis. On se retrouve lundi prochain, toujours dans le vif du sujet, de 8h à 8h30. RTCI nous réunit.